Je suis Serigne Ming, chargé d'application Sequoia et diplômé de l'école d'ingénieur d'Effray, spécialité software engineering. J'étais dans cette majeure-là et du coup, j'ai fait aussi mes deux années d'alternance ici Sequoia. Moi, c'est Nicolas. Je travaille chez Sequoia depuis 2012. Je suis un ancien de l'Effray, de la promo 2001. J'étais en majeure télécom et réseau. Et toi, alors du coup, c'est quoi ton job chez Sequoia? Moi, je suis chargé d'application et concrètement, je suis dans l'équipe tech. On est en charge des 6 étendues. Moi, mon rôle et celui de mes équipes, c'est d'être en soutien des marques, des 3 marques du groupe, donc MMA, MAF et GMF, pour les aider dans leur transformation digitale. Et donc toi, Serigne, au sein de la Digital Factory, qu'est-ce que tu utilises comme technologie? Pour faire simple, on est servi Angular 12 pour la partie front, servi Java 11 pour la partie back-end. On utilise aussi des frameworks qui sont internes à Sequoia. Pour la partie déploiement, on est servi OpenShift. Et pour les référentiels sources, on est servi Bitbucket. Et pour le build de ces projets-là, on est servi Jenkins et la gestion des builds, on est servi Artifactory. Alors nous, on est plutôt sur des solutions un peu plus packagées, donc notamment toutes des solutions autour du web, des outils web, des solutions de la suite Google ou alors des solutions de CRM avec Salesforce. Et puis dans le domaine de l'IA, on utilise des solutions type IBM Watson pour faire de l'analyse conversationnelle ou alors plutôt du cloud Azure pour faire de l'analyse de documents et la compréhension de la reconnaissance d'images. Depuis combien de temps tu es chez Sequoia? Alors je suis chez Sequoia depuis 2012 sur des postes de direction de projet, puis après j'ai basculé dans la transformation digitale de Sequoia. Et du coup, qu'est-ce qui te fait rester chez Sequoia? Alors ce qui me fait rester, c'est le type d'activité que je mène. C'est un poste qui nous permet d'être en étroite proximité des directions métiers, des business units, pour comprendre quels sont leurs enjeux, leurs objectifs, identifier des terrains d'innovation et puis après d'être dans le cœur de l'exécution pour travailler avec les équipes informatiques justement pour mettre en place ces stratégies. Et donc Serigne, tu disais que tu étais alternant et qu'est-ce qui fait que tu as voulu continuer chez Sequoia? Depuis mes premières années ici, je me suis senti comme c'est moi du coup, puisqu'il y avait un vrai accompagnement pour mon évolution et ça continue toujours et il y a aussi les projets qui sont enrichissants qui me permettent aussi de monter en compétence continuellement. Qu'est-ce que tu as gardé de ta formation à l'Effray et qui te sert le plus aujourd'hui? C'est plutôt l'aspect technique avec les design patterns, mais concrètement c'est plutôt les TDD je dirais, les tests de driven development qui nous permet à nous les développeurs par exemple de concevoir des solutions qui répondent aux besoins des clients avec justesse et avec une complexité minimale. Moi, ce que j'ai retenu de l'Effray, c'est la diversité des modules qu'on a pu apprendre. Donc, on a travaillé, je pense que comme beaucoup, hein, l'ingénierie logicielle, de l'analyse IP, etc. Mais également du droit, du marketing, de la recherche opérationnelle. Et tout ça, ça a permis de construire un peu, je pense, pour moi, de me construire mon profil un peu pluridisciplinaire. Au-delà de toute cette formation académique, est-ce que tu retiens une anecdote sympa de ta scolarité à l'Effray? Je dirais la mobilité internationale à Malte, par exemple, puisque j'y étais parti avec des amis. On a beaucoup appris, mais aussi on s'est bien amusé aussi. C'était sympa. Et toi, Nicolas? Et moi, comme anecdote, je me souviens de la journée d'intégration où on nous avait demandé, toute la promo était tous déguisés en dalmatiens. Et on a été se promener autour du Panthéon pour vendre des petits composants. Voilà, c'était bonne ambiance et puis on a bien rigolé. Mais non, plus globalement, moi je retiens cette scolarité qui s'est faite dans une ambiance assez sérieuse, mais tout en étant quand même très conviviale et avec pas mal de bons camarades. Écoute, merci Serigne pour ce moment. C'était très, très intéressant de retrouver, en plus de rééchanger avec des plus jeunes. Le plaisir est partagé.